Ma femme m'aime beaucoup. M'aime beaucoup. Ma femme m'aime beaucoup, mais beaucoup. Ma femme m'aime beaucoup, mais beaucoup sur le travail. Ma femme m'aime beaucoup, mais beaucoup sur le travail. Et tout ce travail. Et tout, et tout ce... Et où en étais-je ? Au 9e bureau. Ah, c'est cela. Exactement. Ah, exactement. Oui, en plus, c'est exactement. Ah, exactement. Cette phrase est maudite. De plus, certaines pièces n'ont pas été jointes. De plus, certaines pièces n'ont pas été jointes au dossier. Une légère erreur. Donc, le 9e bureau reçoit un dossier vide. D'habitude, il reste au château. Mais exceptionnellement, il est descendu à la fête. David, il ne quitte jamais le château, mais un jour, exceptionnellement... Un après-midi en répétition. Ah, ce mot en français est tellement faux. Un après-midi de répétition. D'abord, on ne répète pas. On ne répète pas, j'aime beaucoup plus le mot anglais, rehearsals, on se renourrit, on se nourrit sans arrêt. Les acteurs ne sont pas des magnétophones qui répètent, ils essayent un texte, ils l'essayent dans leur bouche d'abord, ils l'essayent dans leur cœur, dans leur tête. Par cœur, ça ne veut pas dire... par mémoire, ça veut dire par amour, par passion, par musique, j'ai envie de dire, par masque quand il s'agit d'un texte masqué. Évidemment, un auteur va écrire un texte sans forcément se rendre compte de la contrainte d'un masque, par exemple. Certains mots vont sonner de façon tellement différente si on est masqué et si on ne l'est pas. À partir du moment où j'invente une situation, le texte est forcément porté différemment. Et à partir de là, le costume qui va envelopper peu à peu le personnage, eh bien, là aussi, va amener une construction différente. Cette lettre commence par « Cher monsieur ». Midi ! Midi ! Ah, oui. Cherche dans l'armoire s'il n'y a pas un dossier marqué en bleu. Arpenteur. Encore vous deux. Personne ne vous a dit d'entrer. On voudrait aider. On s'ennuie là, devant la maison. Quand je rêve que le cas rencontre le maire du village dans son lit, carrément, c'est-à-dire qu'il partage le lit du maire du village, ça implique tellement autre chose. Il faut à partir de là inventer où sont évidemment les personnages, c'est la mise en espace, mais ça c'est peut-être ce qui est le plus facile. Et ensuite, quel est ce nouveau rapport lié à l'incongruité de la situation ? Comment les personnages jaillissent ? Pourquoi tout d'un coup ils vont envahir tel ou tel espace ? Ton espace de jeu... Et pour ça, il faudrait que tu aies du papier là. C'est vraiment que autour. Donc les papiers, tu viens jusque là. Et vraiment, tu es que dans la sphère autour du maire. Parce que d'abord, ça te rend plus haut. Donc ça ouvre. Ça te permet d'aller jusque là. Donc au public, là et là. Tu vois, ça, tu deviens... Tu sais, j'avais espéré trouver un masque à trois... Un miroir à trois côtés. Et pour l'instant, on n'a pas, donc... Mais c'est bien, on va jouer avec toi toujours, hein. Et donc tu deviens le lien actif, mais qui vient à la limite jusque là, tu vois, et qui laisse bien les ailes dans le cul. D'accord ? Donc ton apparition, et là c'est important, Charlotte, mais pas trop, il faut vraiment qu'il n'y en ait pas trop. C'est quoi cette pièce où toutes les femmes sont des protégées tout le temps ? Chez Kafka, elles ne sont pas tellement émancipées les femmes. Tu auras droit à faire une couverture de ça ? Où t'as trouvé cette chose immonde ? Je n'en veux pas. Gerstacker ! Tout cet entrepôt orange comme ça, tu vois ? Et oui, il m'a fait noter, et en plus de mon... Tu as dit en plus je suis malade. Il m'a fait noter un truc du style et en plus de ma maladie. Donc on verra si ça se modifie dans le texte. D'accord, ok. Mais pour l'instant, dans la répète, tu peux déjà le dire comme ça. J'ai une envie forte d'adapter tel ou tel texte, de mettre en jeu tel ou tel texte. Et à partir de là, toute une équipe se constitue. Des comédiens, une assistante à la mise en scène qui est très très importante parce qu'elle va noter absolument
tout ce qui se passe en répétition. Elle notera tout ce que je dis et elle le restitue aux acteurs. Et dans cette restitution, il y a un écart qui se crée. Mais un écart que j'aime, qui est je dis quelque chose, quelqu'un l'entend et le redit à un acteur. C'est quelque chose de une mise en résonance des idées qui est absolument fabuleuse. Le 8e bureau au château. Alors, prends le portrait. Et là, Jean-Luc, c'est simple. Si on ne visualise pas, c'est un cauchemar. Il y a longtemps, au château, le 8e bureau. Le. C'est pour ça que t'appelles midi, c'est que t'es plus sûr. Oui, le. Il y a longtemps, au château, le bureau. Huit. Non, alors, fais-moi appel midi avant. Le. Ah. Le. Midi. Il y a longtemps, tu vois. Et au château, le. Midi. Voilà. Quel bureau? Le huitième. Midi, on est d'accord, on en fait un personnage qui se fait tout le village. Cherche le dossier de l'arpenteur. C'est donc lui. Tu vois, hein? Ok, d'accord. Eh bien, il est très bien cet arpenteur. Dommage qu'il ne soit pas venu plus tôt. Ah, Midi. C'est un patron qui touche. Il a plein de pustules de bâton. Voilà, très important. Bien sûr. Malheureusement, suite à une légère erreur de transmission, voilà. Dossier et notre réponse arrive au bureau numéro... Continue à en balancer, tu les égrènes. Au bureau numéro... 9. Mais tu as trouvé ? Une légère erreur et le 9e bureau reçoit un dossier vide. Donc, le 9e bureau reçoit un dossier vide. Ah, mais comme l'affaire ne le concerne pas, il ne s'en inquiète pas. Ah non, pas vous. Personne ne vous a dit d'entrer. On voudrait aider. On s'ennuie là, devant la maison. Oui, ils ne me dérangent pas du tout. Ils vont nous divertir. Non, moi, ils me gênent. Ils sont tout le temps dans mes pieds. Ce qui est passionnant, c'est d'essayer de transmettre aux acteurs une énergie sans pour autant en donner la source. C'est-à-dire que si on tente de se substituer à l'acteur, on est perdu. Parce que on va lui montrer, par exemple, trop. Ça m'arrive. Mais si on lui montre trop, il va chercher à calquer. Or, un bon acteur n'a pas à calquer. Il va, à partir d'une proposition d'énergie ou de tension entre les personnages, trouver en lui comment ça résonne. Et c'est bien parce que ça passe en lui que ça ne m'appartient plus. Ça tue du dossier. Un italien. Oui, un italien. S'il te plaît, il faut que ça finisse. Si on fait jouer ça sur les... Pour bien expliciter, sortir le pervers, il faut que tu suspendes. Hein. Le bureau reçoit un dossier vide. C'est ce que j'ai à dire. Mais comme l'affaire ne le concerne pas. Quand on rêve un espace comme ça, scénique, très complexe, fait de 9 espaces en fait, de jeu, hein, le travail des répétitions amène à questionner d'où vient la parole, pourquoi elle jaillit de là, qu'est-ce que ça va donner comme signe pour le spectateur. Et à partir de là, il faut toujours se mettre tenter de se mettre en situation de spectateur. En attendant, aidez ma femme à chercher le dossier de monsieur l'arpenteur. Vous, non. Où en étais-je? Au 9e bureau. Si, c'est ma main. Attends. Au dossier vide. Attends. Faut que ce soit hyper précis. Aidez ma femme. L'autre ressort avec le dossier. Où en étais-je? Au 9e. Au dossier vide. Au dossier vide. Ah, c'est pas ça, mais j'en ai un. Et tu redescends. Oui. Tu vois, il va falloir tout construire comme ça, par... comme si on avait des vignettes. Il faut comprendre ce qui se joue. Hein? Donc ça va être un peu long. Moi j'aime quand un acteur n'a pas besoin d'être dicté sur les intentions. Si on résume un personnage à une intention, on le simplifie. La chimie d'un personnage est beaucoup plus complexe que de dire « mais là il est violent » ou il est en colère, mais il l'aime. Non, mais là, il l'aime pas. Donc, tous ces mots qu'on appelle les intentions sont souvent des pièges.
ce qu'éprouve un acteur de son personnage, du rapport aux autres personnages, doit être d'une complexité impossible à dire. Parce que traversé par autant de choses que la vie nous traverse d'habitude. Donc répéter, c'est pas répéter, c'est éprouver. Proba. Essayer. Essayer d'éprouver. Donc on est absolument libre d'essayer absolument tout ce qu'on veut. Ça, c'est ce qui est passionnant. C'est vraiment bien. En 15 jours, ce qui est fait, c'est incroyable. À tout niveau, quoi. Il n'y a pas... Bon, les accessoires, ils ne sont pas là, mais... Ça coule, quoi. Ça y va. C'est rassurant parce que l'on se dit que... Enfin, moi, j'ai toujours eu la sensation qu'on est dans un bon timing... En même temps recherche et en même temps il faut avancer. Toujours cette idée de on crobarde en entier, quoi. On se fait des grandes séries, on finalise pas une scène, mais elle se finalise parce qu'elle s'articule avec moi. Donc c'est bien. Durante horas se tiene el sentimiento de perderse en un mundo extraño. Horas en las que se ahoga de extraño. Quisiera huirme, huirme contigo. Ahí estaríamos abrazados.